Coucou les filles, alors tout d'abord bon et joyeux Noël à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon. Ici tout s'est très bien passé et donc nous allons procéder à l'ouverture des derniers petits paquets de mes calendriers de l'Avent. Alors on va ouvrir celui de chez Scrap Didi qui est tout dur et qui ressemble à un tampon bois. Au toucher, et comme je sais que c'est une des nouveautés prévues, il me semble, pour l'année à venir, on avait vu quelques indices sur la page Facebook. Alors, la team Scrap Didi vous souhaite un joyeux Noël. Merci de nous avoir suivis durant ces 25 jours et espérons que Salon Vadrais vous a donné entière satisfaction. Mais attendez, ce n'est pas encore la fin. On se retrouve demain le 26 décembre à 14h30 en direct sur notre page Facebook Scrap Didi avec votre pochette 26. Bon, ils font comme l'année passée. Et pour vous remercier de votre confiance, nous vous offrons jusqu'au 31 décembre inclus 15% de remise sur les produits Scrap Didi avec le code NANANXOXO. Et deux cadeaux. Alors effectivement, nous avons un tampon et j'ai pas mis mes lunettes. Si elles sont là, juste à côté. Hop là. Alors, photographie, être au bon endroit au bon moment et l'immortaliser pour toujours. Donc voilà. Et voilà. Très joli. Et nous avons à nouveau un die flèche et cœur. Bon, ça c'est pas mon dada, hein, mais voilà. Et par contre, 4,5 sur 1,7. C'est vraiment pour de la carterie, des choses comme ça. Bon, après si ça peut être sur une page, mais voilà, voilà, ou un mini album. Mais ce n'est pas forcément mon style à utiliser, ou quoi que, avec mes enfants, etc. Ça peut être sympa. Voilà, donc ainsi s'achève l'ouverture du calendrier de l'Avent chez Scrap Didi. Je reste mitigée tout de même, mais bon, après les produits, hein, comme je dis, sont excellents. Et bon, ah ben non, il n'y a pas d'indice. Le 25, alors c'était un peu ouvert, mais je n'ai pas regardé encore. Et je vais donc découvrir avec vous. Donc il y a un gros paquet, il doit y avoir du papier, je pense. Du papier parce que là c'est du format A4. Et on va ouvrir. Waouh! Ah non, c'est pas du papier. Bah, j'ai jamais vu ça. Je sais pas où. Honnêtement, je fais des découvertes. Hein. Et c'est vraiment Craft Sensation, c'est la comment ça s'appelle, la marque de chez Action, mais j'ai jamais vu ça moi. En tout cas, ça c'est très joli, c'est des 3D. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai une collection de chez Stamperia. Gratitude by Johanna Rivero. Donc c'est du 2020, c'est très joli. Sur le thème de Noël. J'adore les couleurs. Je vous montre derrière parce que là j'ai pas trop le temps de faire plus puisque j'attends comme le réveillon on le faisait à la maison, on continue aujourd'hui et donc avec carrément les die cuts. Voilà, alors pareil, hein, il y en a un certain nombre. Là je vous les montrerai en profondeur plus tard. Et là un alphabet, pas mal. Donc, sous forme de die cut, mais c'est un alphabet. Eh bien, merci beaucoup, Mireille, pour ces 25 jours passés indirectement avec toi. Ça a été un vrai bonheur de découvrir tous les jours les cadeaux que tu m'avais faits. J'espère qu'il en a été de même pour toi. Et puis, moi, je vous mettrai le reste du calendrier, puisque je vous avais mis les 12 premiers jours. Dans les jours à venir. Voilà, je vous souhaite encore à toutes et à tous un excellent Noël et je vous dis
à bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye.